Qui voulait rentrer là? Comment allez-vous? Qui est-ce qui veut se marier? Je suis sérieux et Mohamed, tu es revenu, hein? Mohamed, tu es revenu. Qui voulait participer? C'était toi, Lynn. Redemande encore, s'il te plaît. Qui veut se marier, Mohamed? Tu vas aller couper les têtes de mes soeurs là-bas, hein? Je suis sérieuse et pressée, salut, je veux me marier. Je cherche une fille qui veut se marier, peu importe. La fille est célibataire, veut divorcer. Je vous attends. Mohamed, vous avez des situations compliquées. Hein? Donc peu importe la fille, même si c'est une théoriste comme moi, comme ça. Laissez-moi danser d'abonnés. On écoute la musique. Je vais encore mettre le bureau au salon là, c'est pas grave. Bienvenue au Gabon. C'est pas moi qui ai offert ça semblant là. Écouter la musique, non? Écoutez un peu. Merci, merci la joie de vivre. La vie, elle est pour non? Voilà celle qui m'a brûlé le ventre. Pourtant, la bonne musique forme. Bienvenue au Gabon. Et va danser. Tu connais danser la musique chez nous? Danse un peu. Avec les épaules là? Oui, non, ça fait bien. Danse un peu. Allez, vas-y, montre le que tu es une bonne gabonaise. Allez, montre que tu es intégrée. Montre que tu es intégrée. Tu es une gabonaise. Allez, montre le tata. Mais vous ne montrez pas. Non, dans ce là. Oh, mais c'est bon. Mais toi, non, dans ce milieu, tu vois pas que c'est long. Allez, vas-y. Avec les manières, comme là. Yeah.
Tape la porte. Et... Attends, je te rejoins. Ah, oh, on appelle Marlène, attends. Merci. Alors, comment allez-vous, mes stars? Comment allez-vous? Ça fait longtemps, je n'ai pas fait de live ici. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. On m'a dit, je n'ai plus trop crié. À cause de trop crier, j'ai perdu la voix la dernière fois. C'est-à-dire qu'avec cette histoire de terroriste là, j'ai tellement, j'ai forcé sur mes cornes. Là, j'avais mal pendant 2 jours. Donc, j'ai fait un peu le miel et tout ça là. Donc là, je ne crie plus. Même mon père m'a envoyé un message. Et donc, papa aussi me soulève et me dit, je ne mets rien. Arrête de crier. Le padre Michel m'a dit qu'il ne faut plus crier. Hein? Faut plus crier, tu te fais du mal. Donc, je suis restée malade là, de la gorge, je ne parlais plus bien. Même aux entretiens, je ne parlais plus bien au téléphone. Qui est? Attends d'abord, je vais vite envoyer le message à ma soeur qui m'a vite appelé là, avant qu'elle pense que je l'ai raccroché au nez. Donc, je suis restée là, la voix est partie. Donc, maintenant, je viens maintenant essayer de parler doucement. Oh, je suis en live. Voilà, je vais essayer de parler doucement. Donc, je viens prendre vos nouvelles, comme ça fait longtemps. On n'a pas animé cette page. C'est vrai que cette page-là, c'est de tout et de... Pas de tout et de rien, tout et tout. Donc, on parle de tout. On parle un peu de la vie de tous les jours, des problèmes de la vie, des problèmes de la famille, des problèmes des amis, des amoureux. Bon, moi, je ne suis pas trop au domaine amoureux. Et puis aussi de l'encouragement, de l'entrepreneuriat, etc. Et puis voilà, on parle de temps en temps aussi de nos régimes que nous faisons, de nos bien-être, hein? De notre bien-être que nous faisons, de notre manière de bien se comporter, de bien vivre en société, de prendre soin de soi, c'est le tout. Mais en passant, je voulais d'abord vous faire un petit coucou aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis de ma star. Voilà, j'ai reçu un gros cadeau qui vaut de l'or. Parce que là, vous tous, là, quand vous allez voir le cadeau qui est dans ce carton-là, vous tous, vous allez mourir. C'est un cadeau qui vaut de l'or. Ça vaut 1000 fois la Lamborghini. Ça vaut 10 000 fois le sac de Louis Vuitton. Ce cadeau est un cadeau qui revient tout droit du Gabon. C'est ma star. Une de mes stars, maman Yvette, qui me l'a ramenée du Gabon. Donc, je suis contente. Comme vous dites, de bien vivre avec les gens. C'est ma star, maman Yvette. Elle est partie pour elle au Gabon où elle a pensé à moi. Elle m'a amené ce que j'ai mangé africain. J'ai mangé africain. Elle m'a amené ce petit colis-là. Voilà les bonnes choses de la famille. Je viens vous montrer ça. J'avais déjà ouvert ça dans notre groupe privé là-bas. Et puis, je viens vous montrer ça. Alors, imaginez d'abord. Essayez de deviner d'abord qu'est-ce qui est dans le carton là. Qu'est-ce que j'ai reçu du Gabon? Qu'est-ce qui revient du Gabon? Vous attendez à quoi? Ça revient du Gabon, hein? Qu'est-ce qui revient du Gabon qui est dans ce carton-là? Devinez, faites la devinette. Master, love you, I love you too.
Qu'est-ce qui est dedans là? Imaginons un peu qu'est-ce qui est dans le carton là qui revient du Gabon, qui peut se dire ici là, qui peut plaire à tout le monde. Regardez encore le sachet. Regardez. Doucement. Regardez la bonne chose qui revient du Gabon. La nourriture de ça. Oh, ça fait longtemps, ça fait peut-être 4 ans. 3 ans ou 4 ans que je n'ai plus vraiment vu un bol. Comment on appelle ce bol? Boule. De chocolat. Ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas tenu le chocolat comme ça là. Mais quand j'ai une comme ça, je sens que l'odeur de mon village à Bénélan ici là. Oh, venez là, oh, le bon chocolat dans le poisson fumé, le poisson qu'on allait attraper au campement, là, le bon poisson fumé du campement. Et qui peut encore m'amener le poisson fumé du Gabon, ça ne va pas arriver ici, là. Le bon poisson fumé avec la banane pilée. Bon camp. Donc, merci à ma star, Maman Yvette, qui m'a amené ça. Oui, eh oui, nous formons déjà une famille et ce n'est pas une famille artificielle. Maman Yvette et moi, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontrés. On se rend compte que sur Internet, non, les feuilles de manioc, je les ai mangées hier, c'est encore dans la marmite. Ma mère a préparé les feuilles de manioc hier. On s'est rencontrés, on se rend compte que sur Internet, on est des stars. Elle est dans mon groupe d'amaigrissement. Enfin, c'est pas un groupe d'amaigrissement, c'est un groupe de bien-être. Elle est dans mon groupe de bien-être, là, où on apprend à bien s'habituer nos habitudes, hein, à bien équilibrer nos habitudes alimentaires et à prendre soin de nous. Donc, je ne l'ai jamais vu. Elle m'a envoyé un cadeau de luxe. Je vous jure, ça fait 4 ans, presque 4, sauf quand je pars dans les invitations chez les gens. 4 ans, je n'ai pas mangé de chocolat. Donc là, Maman Yvette, tu viens de soigner mon ventre. Là. Il n'y en a pas de chocolat ici en France. Surtout pas chez moi ici en Alsace. Hein. Ici en Alsace, j'ai que les feuilles de manioc, j'ai les trucs, mais avoir ça, au Gabon, ça a dû coûter, je pense que c'est 10 000. Hein, parce que les petits pots là sont maintenant chers. Hein. À l'époque, les petits pots là, c'était dans les 3 000, 4 000. Les petits pots comme ça là, de yaourt là. Hein. Donc là, c'est sûrement 10 000. Donc pour moi, 10 000, c'est 100 000 euros. Là, c'est 100 000, peut-être c'est 20 000 à 100 000 euros, plus les frais d'envoi, là, plus de risque du Gabon jusqu'ici. Donc, voilà. Le bon Dika, donc, merci, Maman Yvette, me l'a envoyé. Le goût de ça, d'avoir les stars dans le monde entier. Yes. Donc, voilà. Sinon, comment ça va chez vous là-bas, la rentrée scolaire? Comment vos petits ont repris la rentrée scolaire? Comment vous vous sentez? Et vous, est-ce que vous avez pu établir un programme pour votre rentrée scolaire? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire cette année? Est-ce que vous savez comment occuper votre temps libre pendant que vos bouchous sont à l'école? Est-ce que, voilà. Donc, si vous avez bien sûr encore envie, ou bien toujours encore une petite période un peu libre jusqu'à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, I am flyer. Donc, si vous avez encore un peu du temps, ou si vous avez des questionnements, ou vous avez envie, bien sûr, de vous lancer autrement, je suis déjà présentée, Citana. Je suis quand même entrepreneur e-commerce. Donc, je ne suis pas entrepreneur des grandes entreprises sur place, mais si quelqu'un veut se lancer et qu'il veut savoir si son idée est une bonne idée, je peux essayer aussi de jeter un coup d'œil sur ton idée. Mais le plus souvent, je suis plus entrepreneur dans le e-commerce. Entrepreneur dans le e-commerce. Donc, je gagne ma vie en ligne avec mes e-commerce. Pour le moment, j'en ai deux qui fonctionnent pas mal. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce, je précise bien, n'hésitez plus à me contacter, soit pour monter ensemble votre projet, soit pour trouver ensemble une idée, l'une des idées qui peut marcher, ou de trouver ensemble un des produits que vous voudrez vendre en ce moment. C'est ça aussi la rentrée scolaire, c'est-à-dire quand mes enfants vont à l'école, qu'est-ce que moi j'ai fait la maman? Est-ce que tu dois juste rester à la maison, attendre les horaires sortie, entrée, ou bien toi aussi, le temps que tu perds à la maison à nettoyer, à balayer, tu peux aussi profiter de gagner quelques centaines d'euros par-ci, par-là. Donc, voilà. C'est qui est là, Eva? Oui. Viens. Viens. Allez, viens. Coucou. Yes. Voilà. Dis, ça a été à l'école, elle a fait le chignon. Ça a été, sa grande sœur a fait le chignon comme elle. Comment ça a été ta rentrée scolaire? Raconte au tata, au tonton. On va supprimer les laves après. Comment ça a été ta rentrée scolaire? Cool. Cool. Tu as fait quoi?
Comment dire Comment dire Attends. Du tout. On était dans la classe. La mairesse, elle a dit les règles de l'école. Les règles d'école. Et aussi, elle a dit comment dire. Elle nous a fait aussi écouter une musique des règles de l'école. Et après, comment dire. C'est dur le semestre. Non, mais maman, je ça vient encore de commencer. Non, là, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore fait les devoirs. Maman, je suis pas au CM1, je suis au CM2. CM2, pardon. Ok, tu es allé au CM2. Ok, c'est bon alors. Je pensais qu'on t'a mis au CM1, donc on t'a mis au CM2, hein. Ils ont sauté une classe, ils t'ont mis devant, hein. Oui. Ah, vraiment, tu es un génie. En une journée, on t'a enlevé au CM1, au CM2, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, explique. Ça a été ton CM2, ton premier jour au CM2. Mais là, je vais demander à la maîtresse parce que moi, je sais que tu es au CM1. L'histoire qu'on t'a mis au CM2 le premier jour, là, sans me prévenir, là, c'est comment? Donc, tu as gagné un concours le même jour qu'on t'a inscrit? Je sais pas. Oh, ma fille là. Donc, vous avez la princesse Eva qui est venue vous raconter sa petite journée. Donc, je vais partir, je vais juste prendre un peu de la température, comme la page là, je ne publie plus trop ici, enfin, je ne suis même plus trop dessus là, avec les zigzags. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je vais profiter aussi, vous savez que j'ai une association et que là, ils sont en train de récolter les dons, pardon. Pour ceux qui ne peuvent pas envoyer le matériel, envoyez-moi les sous, je vais aussi acheter. Et nous avons déjà un bon nombre de produits qui n'arrêtent pas d'arriver et des gens qui envoient aussi. Donc, n'hésitez pas à envoyer, continuez à envoyer, continuez à me contacter. Ceux qui sont au Gabon, je vous avais vu sur la page de l'ONG à Camaillon, il y en a qui sont au Gabon. Je remercie déjà aussi à ma sœur Laure qui est à ma mère, pas ma sœur, à ma mère Laure qui a fait les dons au Gabon, qui allait déposer des cahiers, des trucs comme ça au Gabon à la maison. Donc, n'oubliez pas aussi, vous pouvez aller tout simplement faire les courses à Montboîte, à la gare routière, à Mbolo, comme vous voulez. Vous me contactez, je vous donne l'adresse de la personne, le numéro de la personne. Elle vous fixe rendez-vous dans un coin ou dans un endroit et puis vous déposez les choses. C'est déjà une autre manière de participer. Vous pouvez aussi aller déposer des Airtel Money aussi là-bas, il n'y a pas de souci. Par contre, aussi ceux qui sont en France, si vous voyez que c'est lourd les cahiers, envoyez-moi des badolets. PayPal, vous descendez un peu sur ma page là, vous allez voir les informations. PayPal, MoneyGram, Western Union, virement bancaire, tout ce que vous voulez, hein. même le chèque, on prend le chèque. Donc par contre, ne m'envoyez pas le chèque blanc, hein? Ne m'envoyez pas le chèque blanc, d'accord? Parce que vous connaissez un peu la mafia partout. N'envoyez pas le chèque blanc. Donc voilà, n'oubliez pas de faire un geste pour ces enfants. Nous sommes en train d'avancer dans notre collecte. Nous avons presque financé déjà presque une école déjà prête. Donc nous sommes maintenant en train de voir encore constituer maintenant pour la deuxième école et la troisième école. Et ensuite, on termine. Donc, on a encore un mois, tout le mois de septembre pour terminer tout ça. Mohamed, qui veut épouser une femme? Donc, si vous avez quelqu'un qui a envie d'aller mourir directement chez Mohamed là-bas, allez-y, épousez Mohamed. Qui veut épouser une femme? Mohamed, tu veux épouser une femme? Il faut savoir que la femme gabonaise, c'est une femme précieuse. On ne l'épouse pas seulement pour épouser. La femme gabonaise, c'est la femme rare de la planète. Oui, je vous dis ça. C'est une femme rare. C'est un être rare, exceptionnel. Donc, si tu veux épouser une femme gabonaise, là, soit pour aller faire tes trucs impolis, il faut barrer. Voilà, parce que chez nous au Gabon là-bas, ça dépend de ethnie. Toutes les ethnies au Gabon, elles sont rares, très très rares. Et nous sommes, comme on appelle ça, le diamant brut. Donc nous sommes un diamant brut. Si tu cherches une femme, Ambrouami, va voir d'autres nationalités. Chez nous là-bas, c'est l'exception. On n'épouse pas une Gabonaise en désordre. On n'épouse pas une Gabonaise n'importe comment. Il faut d'abord bien réfléchir avant d'épouser une Gabonaise. Parce qu'elle peut t'amener le bonheur, elle peut t'amener aussi le malheur, elle peut t'amener le stress. C'est ça, c'est nous ça la femme gabonaise. Donc, il ne faut pas nous chercher. Hein, Mohamed? Faut pas nous chercher. Parce que nous, on peut être aussi sérieuse et vicieuse et capricieuse et diabolique. Tout ça pour nous. Voilà. Tu as compris, cher Mohamed?
Donc, je ne sais pas pourquoi tu viens fêter. Ah, tu as commenté chez Lina, donc. Lina, donc voilà, c'est toi qui l'as pris, oh. C'est toi qui l'as choisi. Lina, c'est toi qui l'as choisi, oh. Mohamed t'a choisi. Donc ici, Mohamed a choisi notre soeur, Lina. Mohamed. Bonsoir, Master Fatima. Tu as vu le chocolat que maman Yvette m'a envoyé? Tu as vu le chocolat? J'ai bien mangé mon chocolat depuis 13 ans. Tente moi, ma chérie. Je pense que j'ai encore pris 2 kilos là, je te regarde. Bon chocolat que maman Yvette m'a emmené. Je vais manger ça au ralenti. Je vais même d'abord bien couper ça en 4 parties. Je coupe ça en 4 parties. J'ai mangé ça au ralenti. Au ralenti, l'oreille, je mets au congèle. L'oreille, je mets au congèle. Il y a quelqu'un qui veut une femme ici, là. Tu veux une femme? Une femme comment? Une femme qui a les défauts. Le plus grand défaut de nous, les Gabonais, c'est Badole. Si tu n'as pas Badole, fuis. Ouais, là, nous, les Gabonais, c'est pas fait semblant. C'est Badole. Ouais, wesh, 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 wesh. Parce que nous, on aime prendre soin de nos familles. Si tu n'as pas Badole, tu fuis. Il n'y a pas de venir nous raconter ici. L'amour, c'est pas l'argent. L'amour, c'est l'argent. L'amour, c'est l'argent. Quand le parent tombe malade, c'est l'argent. C'est pas l'amour. C'est pas ton pipi qui va aller soigner le parent à l'hôpital. Hein? Quand le parent tombe malade, c'est l'argent. Quand il y a les cérémonies, c'est l'argent. Quand il y a la mort, c'est l'argent. Donc, chez nous, au Gabon, je ne sais pas pour d'autres machins, chez nous, au Gabon, on n'épouse pas les gens seulement par amour. Par amour, la bouche. Parfois, c'est amour, mais il y a l'argent. Parce que même la dot, là, c'est l'argent. Tu comprends? Quand tu vois la belle famille vient te demander la dot des millions, c'est argent, parce qu'ils veulent bouffer une seule fois. Oh, maman Yvette est là, oh! Maman Yvette, maman Yvette! Je ne t'ai pas vu tout à l'heure, là. Voici ma sauveuse. Maman Yvette, j'étais contente quand j'ai vu seulement ton nom comme ça là sur le carton. Hein? Le facteur me dit, Claire Newman, c'est moi. Je regarde comme ça là, Yvette. Yo, maman Yvette, tu m'as fait plaisir. J'ai réussi ça, Nyambie. Ça fait 4 ans. Maman, tu allais, il fallait amener aussi. Non, on n'abuse pas de moi. Je suis le genre de personne, on te donne la main, je vais prendre le bras. La prochaine fois, je vais t'arracher le bras. S'il y a quelqu'un qui part encore au Gabon là-bas, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui part encore au Gabon là-bas, s'il vous plaît. Ça fait 4 ans que je n'ai pas mangé. Et ça, je vais couper ça en 4 parties. Je vais manger ça au ralenti. Mais s'il y a quelqu'un qui part encore au Gabon, contacte-moi. Parce que là, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas mangées depuis. Hein? Exemple, le maïs. Le bon maïs de l'Afrique. Pas le maïs maudit, le maïs est maïs. Pas le maïs maudit de l'Europe là, qui n'a pas de sens à la bouche. Tu manges comme ça, à peine croqué, le maïs en train de pisser dans ta bouche. Hein? Pas le maïs, quand tu mets à la bouche là, il pisse dans ta bouche. Toi-même, tu ne sais pas si c'est l'eau, si c'est le pipi, si c'est le maïs que tu es en train de manger. Donc, je veux que quelqu'un m'amène le bon maïs. Quand tu croques comme ça, ça te casse même la dent. C'est-à-dire que, le bon maïs du pays. Oh. Donc, quelqu'un qui est au pays là-bas, qui vient ici, m'amène le bon maïs là. Vous voyez là, j'ai déjà la bonne nourriture. Quand je hume ça comme ça, là, je sens qu'à Bénélan est dans ma peau. Voilà, comme ça, à voir les mamans. Oh, pardon, maman, après on va regarder une bosse. Je ne l'ai pas payé, oh. Vous voyez? Ça, cela seulement coûtait 20 000 francs CFA. Je n'ai pas payé un seul 100 francs. Il y a des personnes généreuses dans ce monde-là. Pas vous, parce que tout votre temps à venir m'injurer ici, comme si je vaux de temps. Je n'ai pas payé. Yes, c'est un cadeau. Yo, il y a des gens ici qui ont encore l'âme. Pas vous, là. Hein? C'est moi à venir insulter quelqu'un ici là même pour donner 100 francs. Vous ne donnez pas. Même quand vous dites qu'allez-y donner les dons d'Akamayon, vous me dites qu'on ne donne pas, comme si c'est moi qui va manger ça. Allez-y donner faire les dons à Kamayon. On ne donne pas. On ne donne pas. Il y a une qui m'a carrément dit qu'on ne donne pas. Tu vas encore aller escroquer ça. Comme j'ai l'habitude de vous escroquer l'argent ici, imbécile. Vous êtes vraiment les voyelles et les voyous. Les Gabonais, vous êtes vraiment les voyelles et les voyous parfois. Donc voilà, Mohamed veut une femme. S'il y a quelqu'un qui veut épouser Mohamed, allez-y. Oh. Mohamed, tu veux une femme comment? On va lui faire l'entretien d'embauche. Mohamed, tu veux une femme comment? Célibataire, sérieuse. Toi, tu es comment? Moi, si je vais te poser la question, tu travailles où? Al-Qaïda. Tu es dans Al-Qaïda ou bien tu es touriste aussi? Tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'épouses pas ma sœur. Hein? Tu as l'argent. Tu es un riche du Qatar. Si tu es un riche Qatarman ou Qatarman là, on te prend comme ça que tu vas aller bousiller la tête d'Ali Bongo. Bienvenue au club des attentats. So, mes amis, je suis venu vous faire un petit coucou ici.
Vous savez que je vais toucher supprimer mon petit live, là. Vous êtes venus vous faire un petit coucou. Et puis on se dit à bientôt. Hein? À bientôt dans nos aventures. Hein? Dans nos prochaines aventures. N'oubliez pas, allez-y participer à Camayon. Rendez-vous sur Camayon. ONG à Camayon. Vous participez tout simplement. De quoi? Elle me dit quoi? Bonjour Lydia, comment ça va? Eh, Lysiane, moi aussi j'ai des problèmes. Hein. Comment ça va? Hello? Ah, you okay? You finish? Ah, it's good alors. It's good, eh? Aliphas compte. Oh. Ok, thank you, lady. Thank you. Maybe tomorrow you receive your colis. Comment on dit le colis, your package? Comment on dit ça? Tomorrow. Sorry. When are you coming back? Maybe, my chance. September travel back, October travel back, maybe November or December, I don't know. Yeah. I enjoy if I have many work, my charity, my business. Yeah. Yes, look at it. money. I like money. Same. Money. Okay, thank you, lady. Next week. Yeah. Why? No bag. Boom. Sorry. No follow. Yeah. I'll show you later. Yeah. Goodbye, good weekend, good semaine, good entrée scolaire. What is on Ripa? Good entrée scolaire, good back school for your shed daughter. Thank you, baby. Bon, je me débrouille pas mal en anglais, non? Excusez-moi, oh. C'est comme ça, moi je me débrouille en anglais, oh. Ils sont fatigués. Un coup, quand ils sont fatigués, j'ajoute le français, j'ajoute l'anglais, je ne comprends pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une cliente que j'ai envoyé des trucs en Angleterre. Bien. So, donc j'ai fini avec vous. Tranquille. Vous avez assisté à mon truc là. Bon, que demain. Je vais partir. On va mettre notre musique fang là-bas. On va encore nous dire que oh, encore les fangs. Vous aimez écouter votre musique. Attends, on va écouter les bapounous. On va écouter les bapounous, non? Bapounous. Si vous ne veux pas écouter bapounous, il y a quoi? Iva.
Là, la table est comme ça. Il faut aller me faire les trucs à Tamayon là avec l'enfant. Je vous ai envoyé. Hein. Ah non, 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 réveille-le un peu là. Il est réveillé, il a des questions. Je chanterai de souffrance. Les merveilles. Et de quoi? Quand tu as appelé, je chanterai. Dis que ça l'a réveillé. J'ai ici. Ben Ali. Ben Ali, viens voir tata ici. Merveilleux, les allez, allez-y, ma les flyers de la Tamayon là en ville là-bas. Allez-y. Allez-y, oh. Ben Bali! Ben! Oh, pardon, faut pas mettre ta vue ici là. Pour va me signaler ma vidéo, pardon. Il y a des sons qui sont interdits ici. Ben! Je sais pas. Je t'as, chanterai. Tu as dit que j'étais réveillée, hein? Non, non. J'ai chanté quoi? J'ai dit quoi? J'ai chanté. Tu as bien dormi? J'ai bien dormi, ça va. Tu vas distribuer quand? On va distribuer après. Comment ça après? Vous après partez au Cora et puis l'eau claire? Non, on va. Oui, l'eau claire et action après. Avec, oui, fichier. Action, il y a des cahiers aussi. Ouais. Vous prenez le gros sac, celui-là et puis le sac qui est rouge, le papier, on fait après. Tu mets là? Mais, non, y a, ça c'est ce que moi j'ai souvent à la main, je partage. Mais il y en a dans le sac. Il y a dans la voiture, il y a un sac rouge dedans. Okay, il y a beaucoup de flyers dedans. Vas-y. Pardon, c'est pas, faut pas pour aller mettre dans les poubelles. Non. Il faut donner aux gens. On va donner aux gens. Oui. Voilà, ça c'est marche. Je vous présente mon fils. Hein. Viens dire bonjour. Bonjour. Hein? T'inquiète, le direct va être supprimé. C'est un direct live. Bonjour madame aussi. Comment allez-vous? Je voudrais que vous participiez à l'action à Camayon. À Camayon. Donc, nous sommes en train de collecter les kits scolaires, SOS rentrée scolaire. Actuellement, nous sommes à la récolte des kits scolaires. Donc, nous récoltons, nous avons besoin de cahiers, de stylos, de compas, de stats, de cartables, de règles, des équerres, de trousses, de crayons, des ardoises. Donc, pour ceux qui sont à l'est de la France, nous pouvons nous déplacer en Alsace-Moselle seulement, hein, parce que elle, c'est quand même un peu long. Mais seulement Alsace-Moselle, donc tout ce qui est Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Champagne, tout ça là, je peux me déplacer à la hauteur de 2 heures, je peux me déplacer, pas pour aller prendre les colis de 10 euros, voilà. Si c'est pour 10 euros, c'est d'envoyer ça par la poste, mais le reste, vous voyez que vous avez acheté beaucoup, vous avez des cahiers, des vêtements, je peux me déplacer en Alsace entière, mais après Alsace-Moselle, le reste, vous faites des colis tout simplement comme les autres. Donc, c'était un petit live papotage. Vous avez vu qu'il n'y avait rien d'intéressant à dire parce que parfois, il faut ça. C'était un petit live papotage et je vais vous laisser. Je vais vous laisser tout simplement. On va partir sur un bon son. Un son que... On va pas acheter des cocos, hein. On va partir sur ça. Congo ça. Voilà, on passe sur ça, oh. Moi, je vais aller voir pour moi là. Puis tu vas me mettre le chocolat à congé là-bas, s'il te plaît. Oh, ça c'est mon sujet, ça. Comment on fait pour discuter avec vous pour l'entrepreneuriat? Bah, vous avez deux options. Vous prenez rendez-vous là en ligne parce que dans cette page, sur cette page, il y a l'option prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous ou tout simplement, vous me contactez par messagerie ou par mon numéro pro qui est aussi sur cette page. Vous prenez rendez-vous et on en discute. Les 15 premières minutes, elles sont gratuites. 15 premières minutes, je les offre souvent gratuites pour comprendre. Au-delà de là, au-delà des minutes autorisées, vous allez devoir prendre une consultation payante. Oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça, c'est le business. Au-delà des 15 premières minutes, vous allez prendre une consultation payante et là, on peut maintenant élaborer ensemble le plan à mettre en place pour votre lancement. Soit pour
dénicher une idée ou pour trouver le domaine, pour trouver le produit, je peux vous aider, vous accompagner dans ce secteur. Ou bien si vous avez du mal à réaliser votre étude du marché, je peux me permettre de faire une étude du marché pour vous. Et ensuite, vous vous lancez. Si vous êtes sur place, c'est presque pareil si vous êtes sur place ou vous êtes sur le e-commerce. La différence avec le e-commerce, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher l'emplacement, on n'a pas besoin de chercher le local, on n'a pas de stock, enfin, voilà. C'est vraiment ça l'avantage avec le e-commerce. Mais les démarches sont presque les mêmes. Vous allez commencer à faire les démarches d'études du marché, vous allez avoir des dossiers de financement, vous allez faire un business plan, vous allez faire tout ça ensemble. C'est pareil, que vous soyez sur le e-commerce, vous faites toujours le business plan parce que c'est une photographie de votre business à long terme dans les 3 premières années. Donc, c'est toujours important. Moi-même, sur le e-commerce, je fais toujours mes business plans, je fais toujours mes études, mes provisions pour voir à peu près si je fixe les prix, telle somme, combien ça peut me rapporter. Et si je fais moins, je vais réajuster plus tard, je vais revoir les stratégies où je n'ai pas pu exceller. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin, je n'arrête pas de le dire ici, le e-commerce, c'est le meilleur modèle business en ce moment. Vraiment, vraiment, le e-commerce, c'est le meilleur modèle business en ce moment. Vous ne pouvez pas trouver mieux avec ce coronavirus. Il n'y en a pas mieux. Hein? Même si vous allez ouvrir un meilleur business sur place, avec le coronavirus, il y aura moins de personnes, alors que sur Internet, c'est l'explosion totale. C'est l'explosion des chiffres d'affaires, c'est l'explosion de bénéfices, c'est l'explosion de... Il faut juste connaître et se former sur le e-commerce, se former comment faire booster ses ventes. À part ça, il n'y a pas grand-chose, il suffit d'une connexion, d'un ordinateur et tu deviens millionnaire. Moi, je ne le suis pas encore parce que je suis embrouillée. Hein? Voilà. Mais je sais qu'on peut devenir riche dedans. Vous êtes intéressante, madame. Ah bon, hein? Ayako, vraiment quelqu'un qui me trouve intéressante. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère ou ma soeur. Que Dieu te bénisse. Oh, je suis intéressantement intéressante. Mais oui, on essaie de faire tout. Vous savez, la vie ne se résume pas seulement à parler de la politique. Comme je n'arrête pas de dire, la politique de notre pays, c'est une politique sanguinaire. Donc, vous n'allez pas perdre. On ne va pas perdre nos vies pour la politique. Nous savons tous, chacun d'entre nous, que nous défendons les valeurs plus ou moins républicaine, mais nous n'allons pas perdre nos vies pour ça. Chacun sait pourquoi il est en vie, chacun sait ce qu'il veut dans sa vie. Être défenseur des droits de l'homme ne veut pas dire qu'on ne peut pas se bâtir, son empire à côté. Au contraire, c'est un peu la même chose. Voilà, vous pouvez être défenseur des droits de l'homme, défendrice des droits de l'homme et bâtir votre empire à côté pour vous, pour votre génération, pour être aussi un modèle, un exemple pour d'autres personnes. Voilà, vous pouvez vous lancer dans tout ce que vous voulez vous lancer. Voilà, exemple, moi encore hier, j'ai pu faire encore une étude de terrain hier pour relever à peu près les domaines dans lesquels les gens peuvent se lancer et se faire l'argent facilement sur le net. Mais pour le moment, comme je gère déjà mes 2 boutiques avec l'agence que je viens d'ouvrir, je ne vais pas tout m'éparpiller partout parce qu'après, je n'aurai pas le temps de gérer tout ça. Mais moi, quand je sens qu'il y a une place où je peux me faire un peu de sous, un peu de pactole, j'ai investi dedans, je me lance dedans et je vois les retours sur investissement, si ça paye, si ça ne donne pas ou pas. Après, je peux changer plus tard. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous savez, je suis là à la phase 1 de l'idée. Ah, si vous êtes à la phase 1 de l'idée, prenez alors rendez-vous avec moi. Si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, on peut prendre ça là en ligne. Voilà, vous voyez, c'est venu faire bisous. C'est comme ça, les affaires. Hein. C'est venu faire un coucou. Et puis voilà, si vous avez du temps, j'ai toujours mon cahier avec moi. Tout est toujours à côté, proximité, on ne sait jamais. Si vous voulez qu'on se prenne rendez-vous pour un entretien, il n'y a pas de souci. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne par exemple rendez-vous demain après-midi ou bien samedi après-midi. Voilà, parce que le matin c'est la période où je dors, sauf aujourd'hui j'ai pas dormi. Voilà, donc je vous donne comme l'école a commencé demain matin, demain après-midi ou samedi après-midi à partir de là. Mais à partir de vendredi je voyage, je ne suis plus là pour 2 semaines. Donc voilà, vous me dites quand vous voulez qu'on prenne rendez-vous ou vous me contactez en privé, on prend rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais avant tout, je n'aime pas quand les gens me contactent
Parce que souvent, quand les gens me contactent, ils disent qu'ils sont à la phase 1, ils ne sont pas à la phase 1, ils sont juste à la phase pour venir savoir qui je suis, ce que je fais. Et après, ah non, je vais réfléchir, je reviens demain. Il n'y a pas de ça. Déjà, je vous donne 15 minutes de ma vie gratuite. Voilà, je vous donne 15 minutes de ma vie gratuite. Donc, les 15 minutes, là, il faut que ce soit les 15 minutes productives. Pas pour venir papoter, pour venir critiquer, pour venir parler de je ne sais pas quoi. Voilà, quand j'ai vraiment envie de parler de je ne sais pas quoi, je sais le faire ici. Je vous ai dit que moi, je suis une personne passe-partout. Je suis autodidacte, je fais tout en même temps. Je peux tout faire. Mais quand je veux me mettre dans la peau du professionnalisme, je refuse que quand vous venez, on vient papoter de tout et de rien. Ça a tendance à m'agacer après. Après, je ne vous réponds. Après, je ne réponds plus. Hein. Celles qui sont passées, savent très bien. Après, je regarde l'heure, je dis, ma chérie, je pense que tu n'avais pas grand-chose à dire. On va devoir couper. Les 15 minutes sont passées. Ce sont les 15 minutes de ma vie. Bien. OK. Alors, tu voudrais que on se donne rendez-vous là demain 3 à partir de 16h ou tout simplement samedi 5 à partir de 10h. Voilà. Samedi 5 à partir de 10h parce que je suis ouverte juste tous les 6 jours de la semaine sauf le dimanche. Mais il y a quand même je vais quand même les insulter parce qu'ils me dérangent. Il y a quand même les bâtards hommes qui pensent que dimanche je les appartiens, qui n'arrêtent pas de m'appeler. Le dimanche, alors que le dimanche, c'est mon jour de repos. Mais je suis ouverte tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Mon téléphone est ouvert, hein, pas moi. Hein. Mon téléphone est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 18h30. Voilà. Je pense que le samedi, c'est un peu réduit. Vous pouvez voir les horaires sur ma page. Et ensuite, vous pouvez me contacter. Voilà. Et lorsque vous me contactez pour un projet, il faudrait que c'est un projet que vous avez déjà mûri, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet dont vous êtes responsable, c'est pas les gens qui ne sont pas sérieux là, je veux pas des personnes sérieuses, en fait, la plupart du temps là, c'est des zinzins qui me contactent, vous comprenez? La plupart du temps, c'est des zinzins qui me contactent, je sais pas, comme j'ai l'air de trop m'amuser, de trop venir danser, rire avec vous, vous pensez quand c'est professionnel là, je vais aussi rire avec vous. Non, l'argent, c'est le temps, c'est de l'argent. Je suis une chercheuse d'argent avec la torche. Donc, quand les zinzins m'écrivent, me contactent pour de conneries, vous ne pouvez pas savoir. Des fois, je raconte à ma copine, me dit qu'elle prend quand même l'esprit professionnaliste. Mais il y a des personnes qui ne méritent pas que je sois professionnelle avec eux. Parce qu'il y a des personnes qui abusent. Hein. Donc, vous me contactez en privé, on prend un rendez-vous, on met ensemble, et même si vous n'avez pas une stratégie comment on appelle, éditoriale pour les gens qui veulent publicité, de publier, même ceux qui ont déjà des pages business. J'ai fait ça avec une seule la dernière fois. Elle a une page business sur Facebook. Elle veut booster sa page. Mais tu veux booster ta page et tu ne veux pas investir. Sachez que Facebook, c'est aussi de l'investissement. Facebook, ce n'est pas seulement le Facebook que nous, on est en train de faire ici. Seulement, on papote, on vient rire, on partage. Regardez, quand vous partagez, quand je partage seulement un truc comme ça, il y a moins de likes, il y a moins de likes. Tout simplement parce que je n'ai pas attiré l'attention, parce que j'ai seulement balancé l'annonce comme ça. Mais si tu boostes ça à ta publication avec des appels à l'action, avec des images qui attirent, avec des icônes, avec des smileys, avec des trucs, ça attire l'attention, ça appelle aux gens de s'intéresser à ton produit. Donc moi, j'ai dit que bon, je peux te faire ça, mettre en place, mais pour faire une bonne page pro, il te faut un peu d'investissement. Voilà, la personne est bonne, même pour vous dire, même 5 euros par jour pour booster ta page, même pendant 5 jours ou pendant 10 jours, tu boudes, même 3 euros, mais en fait, les Africains, on veut gagner de l'argent, mais on ne veut pas en perdre, ça n'a pas de sens. On n'a pas cet esprit d'entrepreneuriat qu'un entrepreneur doit risquer ses finances. C'est en risquant tes finances que tu peux avoir un retour. Vous ne voulez pas risquer, vous voulez gagner. Ce que vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner ni aujourd'hui, ni demain. Pour gagner, il faut investir. Si tu ne veux pas investir, mon ami, sors-toi de là. Voilà. Parce que même sur Internet, on ne gagne pas l'argent Internet sans investissement. Parce que même la création d'un site Internet, c'est un investissement qui va te rapporter. Tu vas investir entre 1 000 euros à 3 000 euros à 10 000 euros selon les
de taille d'entreprise, voilà, parce qu'il y a des sites internet, des grands projets qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros de création de sites internet, parce que ce n'est pas pour vous, bien sûr. Mais minimum 1 000 euros un site internet, c'est déjà un investissement. Cet investissement de 1 000 euros, tu sais très bien que dans les 1 000 euros que j'ai investi dans, dans mon site internet, le site internet, c'est la meilleure plateforme aujourd'hui pour pouvoir vendre et toucher le monde entier. Tu sais bien que si je ouvre mon site internet et que tu as un bon produit, voilà, c'est d'abord ça, tu es un bon produit vendeur, tu as une bonne niche, tu as une bonne offre, mais il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas. Il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas sur Internet, il y a la place pour tout le monde. Maintenant, si tu as investi 1 000 euros, dis bon, je m'investis 1 000 euros pour la création de site Internet, je m'investis encore 1 000 euros pour mes stocks, j'investis pour commencer, je dis bien pour commencer peut-être 100 euros ou bien 200 euros pour la publicité de mon site, tu mets à peu près 2 000 euros. Je parle peut-être ceux qui ont l'argent. Tu mets à peu près 2 000 euros pour ton business. Les 2 000 euros que tu viens de mettre là, en moins de 6 mois, tu as récupéré, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Dis-moi que tu vas regretter les 10 000 euros là quand tu vas regretter les 10 000 euros, les 2 000 euros d'investissement lorsque tu auras un retour de 10 000 euros. Non. Parce qu'automatiquement, les 10 000 euros là vont te permettre de réinvestir encore dans d'autres domaines, dans d'autres stratégies qui peuvent encore te booster ton affaire. Et puis, qui sait, tu continues, demain, tu ouvres maintenant ta boutique physique. Après, demain, tu ouvres ça. C'est comme ça, mes amis. Mais voilà, quand vous venez, je vous fais le devis. Bah, vous fuyez. Mon ami, c'est pas moi que tu te fuis toi-même. Parce que moi, quand je me suis pas lancé, les mains vides. J'ai investi jusqu'à aujourd'hui, je continue à investir même dans la pauvreté même. J'ai investi même. Des fois, j'ai fait des investissements qui me rapportent rien. Mais je me casse pas la tête. Je me dis, ça peut mordre aujourd'hui ou ça ne morde pas. Voilà. Avant-hier, j'ai fait un investissement de 997 euros. Ça ne m'a pas rapporté. C'est 997 euros dans l'eau. Mais pour moi, ce n'est pas dans l'eau parce que c'est sûrement, pour moi, c'est mauvais investissement que j'ai fait. Mais il n'y a pas de souci. Demain, je pourrais investir encore peut-être 2000 euros. Ça va me rapporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais voilà, vous êtes assis. Voilà. On te demande seulement 150 euros pour te faire un truc. Tu pars. On te demande 1000 euros pour te faire. Vous fuyez. Gabonais ou Africain, vous n'allez pas reçu votre vie si vous avez tout le temps peur des risques. Vous avez tout le temps peur des risques, peur de l'échec. Continuez à avoir peur de l'échec, tu vas alors vivre dans l'échec. Comprenez, non? Plus vous avez peur de l'échec, vous avez peur de commencer, vous avez peur de l'action, vous avez peur de franchir le pas, vous n'irez nulle part. Parce que tu ne sauras pas si tu aurais pu gagner ou pas, parce que tu as peur. Voilà, si tu investis 150 euros, là, pourquoi je te fasse une page Facebook Pro? Tu as peur de quoi dedans? Tu as peur de quoi? 150 euros, c'est rien par rapport à ce que ça va te ramener, par rapport au lead que ça va te rapporter, par rapport au prospect que ça va te rapporter. Un prospect, c'est sûrement un client gagnant déjà. Mais non, vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez seulement les petits 150 euros que tu vas investir. Les petits 150 euros que tu vas mettre. Pour toi, là, c'est déjà la fin du monde. Oui, oh, elle m'a demandé 150 euros pour me booster, pour me créer une page Facebook, me booster. Mon ami, c'est ton investissement, ce n'est pas gratuit. Je n'arrête pas de vous dire ça ici, là. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Tu risques quelque chose parce que tu attends un retour dans cette chose-là. Mais si tu ne risques rien, reste alors à la maison. Et puis comme ça, tu ne te plains pas. Ah, vous pensez que les gens dehors, là, les gens qui sont devenus milliardaires, là, ils se sont levés comme ça, milliardaires. Ils ont risqué, tapoté à gauche, à droite, jusqu'à un bon jour. Un bonjour, quand ils s'attendaient, parfois, c'était été même déjà découragé. Dans leur découragement, bah, c'est venu comme ça, boum, boum. Les ventes ont commencé à augmenter. Là, la tête est revenue normale. C'est comme ça. C'est quand tu vas abandonner là que tout revient dans l'ordre. Continuez dans vos lacismes là. La politique viendra vous donner de l'argent. Moi, je n'ai pas de parents riches. Je n'ai pas de truc. Ma richesse est dans l'Internet là, à chercher à gauche, à droite. Moi, je ne m'arrêterai pas. Tant que je n'ai pas encore atteint mon pic, je ne m'arrêterai pas. Je peux investir. Je vous dis, avant-hier, j'ai investi 997 euros. Pio, dans l'eau. Dans l'eau. J'ai seulement fait, oh merde. Je ne peux pas vous dire dans quoi j'ai investi, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Près de 1000 euros dans l'eau. Et dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Je prends des risques. Il n'y a pas de souci. Ça peut mordre, c'est comme ça. Moi, si quelqu'un dérisse, je mets là-bas, ça part à gauche. Ne me fais pas de soucis, moi.
Je ne suis pas née avec l'argent, je ne mourrai pas avec l'argent. L'argent que je cherche, je ne mourrai pas avec. C'est juste pour entretenir ma vie, pour entretenir ma belle vie, là, pour entretenir mes voyages, pour entretenir mes enfants, pour entretenir ma famille, pour entretenir mon machin. Mais quand je mourrai, ce n'est pas mon laisser-passer. L'argent que nous cherchons, là, ce n'est pas le laisser-passer qui va nous ramener au paradis ou en enfer. C'est tout simplement essayer d'être heureuse ici, heureuse et heureux ici sur terre. Pourquoi ce putain d'ordinateur ne charge pas? J'ai fait quoi? Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, si vous avez envie, si vous avez envie, un point aperçu, si vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce, vous venez tout simplement me contacter. Je vous le dis, je suis entrepreneur e-commerce. Mais si vous êtes sur place, que vous avez envie aussi, des personnes défavorisées. Excusez-moi, je suis en train d'écrire le mail en même temps. Je reprends une offre de partenariat. Si vous avez aussi envie de faire sur place des physiques, des business physiques, il n'y a pas de souci. Oh. On peut voir. C'est comme la maman, enfin, j'ai appelé la maman. La maman au pays qui voulait ouvrir un magasin de, comment on appelle, des sacs. Un magasin de sacs. Seulement les sacs. Hein. Voilà. Elle voulait ouvrir un magasin de sacs. Moi, je ne sais pas le nom, du coup, elle va se reconnaître, c'est pas grave. Elle voulait ouvrir un magasin de sacs et je lui ai demandé que qu'est-ce que tes sacs vont apporter de plus que d'autres sacs. Qu'est-ce que tu as, en fait, qu'est-ce que ton offre a de plus que les autres? Il faut toujours se démarquer des autres. Bon, est-ce qu'il y a déjà d'autres magasins de sacs dans le coin? Si oui, qu'est-ce que tu peux apporter de plus que l'autre n'a pas? Qu'est-ce que tes sacs ont de plus que les sacs de l'autre? Parce que si c'est le même sac, c'est-à-dire que vous payez tous les mêmes sacs en Turquie, et que tu viens faire aussi les mêmes sacs à côté, et que tu n'innoves pas, que tu n'amènes pas quelque chose d'attirant dans ton business, excuse-moi, c'est presque pareil, vous allez vous discuter les mêmes clients. Mais par contre, si tu te démarques de l'autre, malgré que tu vends aussi les mêmes sacs, je vais prendre l'exemple, malgré que nous vendons tous, que on va, tout et moi, on a les mêmes fournisseurs, qu'on vend tous les mêmes sacs venant de la Turquie, on va ou de la Chine, mais il faut que dans ma marque de sac là, ou bien dans mon offre de sac, j'apporte quelque chose dedans que le client ne trouve pas chez mon concurrent. Supposons que ma collègue vend le sac là qu'on a acheté, on a peut-être pris le sac là en Turquie ensemble à... les prix varient en Turquie aussi dans les 10 euros comme ça. Supposons qu'on a pris ce sac là en Turquie à 10 euros. D'accord? On a pris ça en Turquie à 10 euros et que moi je souhaite vendre ça, que la collègue aussi qui a un magasin à côté vend le même sac et qu'elle vend son sac-là à 90 000 francs. Bon, pas en euros. Elle vend ça à 90 euros dans sa boutique. OK? Bon, voilà. Ça, c'est déjà le premier problème. Nous avons le même fournisseur. Nous avons le même produit. Voilà. Comment moi je dois faire pour me démarquer de l'autre, pour que les clients trouvent mon offre plus attrayante ou plus attirante ou plus convaincante que l'offre de l'autre. Sachant que l'autre a déjà son magasin et vend son magasin et vend ce sac-là dans son magasin à 90 000 francs CFA. Là, toi, tu vas faire ce qu'on appelle en marketing, le benchmark. Tu vas regarder ce qu'elle fait pour copier. Mais, pas pour copier, ça va s'arrêter. Voilà, le live que j'ai dit que je vais couper, mais là, on arrive maintenant à l'entrepreneuriat. Ça, c'est moi, ma bouche, là, quand je ne vais pas m'arrêter. Donc, tu vas faire le benchmark, mais pas pour aller copier, tout simplement, mais pour prendre votre voisine, votre concurrente n'a pas, et pour pouvoir la contrer, on appelle ça, je ne sais pas si c'est contrer, mais pour pouvoir plutôt utiliser cela pour ta force, comme ta force. C'est-à-dire, tu prends les défaillances, tu prends les points négatifs de chez elle que tu vas améliorer et tu viens faire ça comme tes points positifs. Elle vend ça à 90 euros. On te dit pas aussi de vendre moins cher. C'est pas parce que tu vas vendre moins cher que c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même si vous vendez la même chose. Mais parce que c'est cher à côté, j'irai chercher le plus cher. Pourtant, c'est le même produit, c'est le même fournisseur, mais parce que c'est cher, je vais me dire... Si elle vend cher, c'est que c'est un produit de marque, c'est que c'est un produit de qualité, alors que ce n'est pas ça. Voilà. Comment tu vas faire? C'est dans le comment que vous me contactez et on voit ensemble. Et la partie du comment, parfois, les consultations sont payantes. Voilà, je n'ai pas donné les trucs gratuitement aussi comme ça. Et parfois, c'est payant. Donc, c'est juste pour vous montrer que si vous avez...
Comme quand là, je prenais l'exemple de la collègue, enfin la compatriote au pays, elle veut lancer les sacs et je lui ai dit, qu'est-ce que tes sacs ont de plus que les sacs des autres? Quel prix proposes-tu par rapport au prix de l'autre? Quel est l'environnement? Qu'est-ce que ton magasin a de plus que l'autre? Qu'est-ce que ta localisation a de plus que l'autre? En fait, tu dois prendre tous ces petits paramètres-là. Tu dois analyser ça. On appelle ça l'analyse externe. Donc, il y a l'analyse interne et l'analyse externe. L'analyse interne, c'est pour voir les forces et faiblesses que l'autre, que l'environnement nous donne. C'est en tirant les forces et faiblesses et l'autre que nous, on va trouver les solutions à ces forces et faiblesses et faire de ça notre offre, l'offre la plus tangente ou la plus diaboliquement vendeuse qui soit sur le marché. Donc, c'est comme ça. Si vous ne faites pas déjà une analyse de forces et faiblesses pour votre entreprise en externe, interne, voir les concurrents, les fournisseurs, l'environnement, tu ne peux que présenter une offre que jamais du déjà vu, une offre que tout le monde sait, une offre que tout le monde a déjà vu. Je parle bien sûr du physique. Après, sur le web, c'est un peu pareil, mais après, il faut tout simplement sortir du lot et savoir faire les meilleures publicités. Voilà. C'est pour ça que je vous dis souvent ici que le peuple gabonais ou bien le peuple africain, vous pouvez acheter chez moi ou pas, il n'y a pas de souci. Je ne vous cible pas. Je cible le monde. Donc, si je ne ciblais que vous, j'allais fermer ma boutique en ligne il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis en ligne. Mais si je ne suivais que vous, je m'allais fermer. Voilà, j'ai encore ouvert une boutique encore il y a 2 ou 3 jours. Elle passe. Elle passe parce qu'il faut savoir mettre les choses en place. Mais si vous ne... Donc, contactez-moi tout simplement. Ouais, non. L'argent, c'est comme ça. L'argent, c'est l'argent. L'argent appelle l'argent. Voilà. L'argent appelle l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne gagnes pas l'argent. Vous comprenez? C'est la devise. Si tu ne donnes pas de l'argent, tu ne gagnes pas de l'argent. Tu ne peux pas gagner gratuitement. Dieu n'encourage pas les paresseux. Dieu n'encourage pas les avares. Donc, si tu es avare, tu ne gagnes pas aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Wait me un peu, hein. Je n'ai pas encore fini mon mail, j'étais encore en train de l'envoyer là. Je corrige quelques fautes. Je me rédigeais avec un accent, vous voyez. J'ai bien fait la rédaction des courriers, des feux que sur Facebook là, je ne me relis pas. Or que là, c'est quand même un partenaire que j'envoie, il faut que je me relis. Bien. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Donc, vous savez à peu près, si vous avez des idées, que ce soit en ligne ou bien sur place, vous me contactez et on voit ensemble si votre idée est réalisable, si votre idée est faisable. Parfois, beaucoup d'entre nous, on se lance dans les idées parce que l'autre veut se lancer. Et on ne sait pas si ce produit va marcher. On ne sait pas si ce produit est porteur. On ne sait pas si ce produit est répond à une solution, à un problème, à une problématique. Mais on s'y lance tout simplement pour se lancer. Donc, c'est ça aussi, oh. Moi, je vous dis tout simplement, je ne suis pas expert en quoi que ce soit. Mais bon, je suis expert de moi-même, je suis expert de mon domaine, je suis expert dans mon domaine, je suis expert dans ce que je fais. Je connais mes compétences, je connais mes valeurs, voilà, je suis l'expérience de moi-même, je fais ça. C'est de ça que je tire mes connaissances, de ça que je tire mon expertise. Donc, si toi aussi, tu as envie de savoir comment j'ai fait, comment j'ai... Et tu me contactes. Je ne suis pas encore là à mettre les prix à gauche, à droite. C'est comme je vous dis toujours, je mets les 15 premières minutes gratuites. Et après, je verrai pour taxer les prix. Oui, parce qu'après, il y en a qui abusent. La dernière fois, je dis 15 minutes, on arrive à 45 minutes. C'est papotage, papotage, ça finit pas. Et je ne vais pas aussi bloquer, couper aussi. Hein. Il faut parfois laisser l'autre arriver au bout. Mais bon. Donc, dites-vous là, vous avez compris un peu. Non, je vais vous laisser, mes amis. On fera un live dans la semaine pour... j'avais déjà fait un live. Comment trouver une idée? C'est passé. Comme le live, là, c'était un live pour venir remercier ma soeur Yvette qui m'a envoyé le chocolat. Donc, je ne vais pas le mettre dans le contexte. Du coup, je vais supprimer celui-ci. Parce que comme je ne vais plus trop faire des choses mélangées, je ne vais pas créer aussi beaucoup de pages. C'est ça le problème. Moi, j'ai déjà beaucoup de pages. Donc, je ne vais pas créer beaucoup de pages. Cette page était une page tout simplement... de lifestyle, c'est-à-dire où je faisais mes lives comme ça, je fais ma peinture, je chantais, dansais, je fais mon sport. Mais après, comme je suis aussi en train de me spécialiser juste dans l'entrepreneuriat,
il faut alors que je crée une autre page entreprise. Mais comme j'ai une page pro aussi, Claire Newman Pro, s'il faut faire élève là-bas, ça me fatigue tout ça, toutes ces pages-là me fatiguent. Donc je fais où je veux. Quand j'ai bien structuré la chose, c'est-à-dire avec des paiements, avec des machins, on va se baser, on va faire les lives maintenant, les lives pro sur Claire Newman Pro, Claire Newman Business, que je vous invite même à se connecter là-bas. Parce qu'ici, il va rester vraiment ma page de régime, de lifestyle, de tout avec mes amis, avec mes stars qui me suivent. Ça va vraiment rester ici, cette page-là. Et j'ai tellement de pages que je ne vais pas créer une autre page. Donc, je vais essayer de vous montrer les prochains jours, les prochains mois, lorsque je serai tranquille, la page dans laquelle vous pouvez, où on va dorénavant faire les lives. C'est la page où s'écrit là. C'est la page où s'écrit Claire Newman Pro, Claire Newman Business, Claire Newman Business, Claire Newman Business. Voilà, vous voyez, c'est dedans que dorénavant je ferai les lives pro. Voilà, quand je vais faire les lives pro entrepreneuriat, ce serait dedans. Parce que cette page, c'est tout simplement une page qui recense la plupart de mes business. E-commerce, mode, e-commerce, bien-être, mon blog, et puis quoi encore. Voilà, et puis mon agence digitale. Voilà, c'est les quatre business en ce moment. Donc, c'est-à-dire mon e-commerce, blog, mon business blog, mon business digital, mon business mode, mon business bien-être. Donc, vous vous rendez tout simplement dans Claire Newman Pro et là-bas, je ferai tout. Donc, vous pouvez même voir ici, il y a même l'option boutique. Il y a l'option boutique dedans. Vous pouvez acheter aussi sur cette boutique. Voilà. Donc, c'est vraiment une page où je recense tout. Ça m'a évité de faire beaucoup de pages. Mais en parallèle, ceux qui veulent se concentrer seulement à la page Claire Newman Fashion, vous vous rendez tout simplement sur la page aussi Claire Newman Fashion. Voilà, je vous ai dit que j'ai tellement les pages que je ne vais plus en créer. Au moins 8. Vous vous rendez sur Claire Newman Elegance. Newman Elegance, c'est seulement sur les habits. Là-bas, vous pouvez voir seulement ma boutique shop. Et dedans, vous avez la page Facebook Newman Elegance qui ne vit presque pas parce qu'il y a trop de pages. Je suis fatiguée. Je fais tout ça seul et puis voilà, c'est fatigant. Donc moi, je préfère encore mettre mon énergie sur mes sites internet parce que c'est là-bas où les gens vont faire des achats. Mais cette page Lifestyle, elle va tout simplement rester notre page de papotage comme on parle de tout, d'entrepreneuriat. De temps en temps, je viendrai faire. Voilà. Et je verrai s'il faut que j'aille faire les live business sur la page. Sur la page Claire Newman Business, je ferai là-bas. Et s'il va rester tout simplement une page de tout et de rien. Voilà. Parce que franchement, avoir beaucoup de pages là, parfois même je suis perdue. Hein? Moi-même, je suis perdue. Ok. Donc, je vais vous laisser. En tout cas, vous avez compris. Vous avez la page Claire Newman Business. Vous avez la page Claire Lifestyle, vous avez la page Newman Fashion, vous avez la page ONG à Camaillon. Donc, vous avez à peu près les quatre pages là qui sont gérées par moi que je vous conseille bien sûr de vous abonner. Par contre, ma page business bien-être, c'est-à-dire les produits bien-être que je viens de créer il y a deux jours, je ne mets pas en place parce que je ne veux pas que vous sachiez de quel business c'est. Je veux juste que vous allez, peut-être que vous allez déjà acheter dans un de mes business sans savoir que c'est moi. Est-ce que la publicité est face sur Facebook? C'est ça l'aspect de miracle d'Internet. C'est-à-dire que même un démon, même Ali Bongo peut avoir un site Internet. On ne saura pas que c'est le site Internet d'Ali Bongo qu'on est en train de payer. Mais celle-ci, je ne vais pas ouvrir une page sur ça. Je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça parce que c'est un truc que je suis en train de tester en ce moment-là. Et lorsque je vais obtenir, j'attends avoir un bon chiffre d'affaires. Je viendrai vous montrer. Ça va faire pour moi, ça va me permettre. Ce sera un cas pratique que je vous montrerai de toute façon. Ok, on verra avec le temps. Soit on reste ici ou on va là-bas. Mais dans tous les cas, je fais les lives partout où je veux. Quand ça me pique, j'ai pas envie de me... Voilà. Bien. Alors, on se dit au revoir. À bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre santé. À bientôt, les amis. Merci.